salam Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé euh, le plus rapidement possible et de recevoir les informations en primeur. Un grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 127e vidéo vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, euh, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion. À chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre bled Maradibia examine cette fois-ci quelque peu ces extravagances paradoxales algériennes au travers de ces soupçons de crimes d'État et autres paranoïas, même lorsque, si ce n'est pas par la faute, du Maroc, alors c'est forcément la faute à Israël, car des drones israéliens, paraît-il, sont accusés d'avoir allumé, oui, sont accusés d'avoir allumé des feux en forêt, euh, en Kabylie. Et le délire continue. Ce délire complotiste prend une dimension inquiétante, délirante euh, en, en Algérie. Décidément, Trop, c'est trop. Oui, vraiment, c'est même plus cassé, Car ces vieux caporaux algériens sont atteints par le syndrome du voisin marocain et les crimes d'État dans l'histoire contemporaine de cette Algérie de 1957 à 2021, c'est-à-dire à nos jours, ne se comptent pas puisque les causes on était toujours politique. Il s'expliquait par ailleurs euh, par les luttes euh, intestinales pour le pouvoir et une euh, certaine, entre guillemets, raison d'État pouvait être euh, éventuellement invoquée, même s'ils n'ont jamais été reconnus euh, comme tels. Donc, euh, après ce petit euh, avant-propos, Revenons-en à notre sommaire. Et chaque jour que Dieu fait, les Algériens découvrent que le délire complotiste prend une nouvelle dimension dramatique dans le pays, dans leur pays. Et face à la faillite des institutions sécuritaires et civiles du pays, l'incapacité maladive du gouvernement algérien, à répondre aux besoins élémentaires de sa population et ses échecs successifs pour gérer les crises multiples ayant branlé euh, le pays, pour le mettre dans cet, dans cet état, l'état d'aujourd'hui, complètement à la dérive. Et les appareils de propagande du régime algérien ne cessent d'innover pour inventer quotidiennement de nouvelles théories complotistes, produisant des fantasmes inédits, dans le seul but de manipuler l'opinion publique nationale et de détourner son attention sur l'incompétence ou autre faiblesse des dirigeants actuels aux commandes du pays, ou plutôt absents des commandes du pays et dimanche 15 août dernier le complotisme idiot mais vraiment idiot a battu tous les records un record absolu en Algérie en cette Algérie puisque un quotidien national affilié au service de sécurité et au ministère de la communication dirigé par ce sulfureux Ammar a propagé une nouvelle version pour expliquer les origines des incendies de forêt ayant ravagé des régions, des régions entières en Kabylie. Encore une nouvelle version. Mais oui, une nouvelle version de ce Belhimer. En effet, le jeune indépendant, l'un des quotidiens les plus soumis à l'appareil de propagande du régime algérien. Et dont les responsables de la rédaction travaillent directement, mais oui, directement sous l'égide de ce ministre Amar Belhim. Et ce vilain canard a fait croire à ses lectrices et ses lecteurs que les feux de forêt en Kabylie ont été probablement provoqués par des drones en dernière génération appartenant à l'armée israélienne. Eh oui, oui! des drones de dernière génération appartenant à l'armée israélienne. Oui, vous ne rêvez pas, non, du tout, vous ne rêvez pas du tout. Des drones israéliens ont utilisé une technologie révolutionnaire pour attaquer les forêts algériennes et provoquer ainsi le chaos dans le pays. Incroyable, n'est-ce pas Mais vrai, <laughs> selon... Des sites étrangers depuis quelques années, Israël a développé la technologie d'un type précis de drone capable de devenir un lance-flamme, oui, un lance-flamme ou un lance-grenade même. Ce drone armé s'appelle le T-4-17. Il a été conçu au départ par une entreprise américaine. Duke Robotics en 2017. Et l'armée israélienne a rapidement fait des commandes et a procédé à des transformations technologiques sur cet appareil de dernière génération. Et pour l'état-major de l'armée sioniste, la devise est claire: No boots on the ground, pas de bottes au sol. C'est-à-dire, on ne marche plus sur terre, on ne fait que voler, c'est-à-dire entreprendre des guerres ou des raids offensifs à moindre frais et sans engagement, au risque de perte dans la vie de ses soldats. Ce drone est un octocoptère. Octocoptère doté de huit pales distinctes, capables de transporter et d'actionner une arme à feu ou un lance-grenade. Il est même équipé d'une caméra frontale, explique ainsi l'un des médias algériens les plus soumis au pouvoir politique à Alger. Et le jeune indépendant a repoussé encore plus loin les limites du complotisme pour surfer avec une dimension totalement absurde et hilarante. Le délire, quoi, tout simplement. Et pour cause, le média algérien évoque des tirs de laser, oui, des tirs de laser contre les forêts algériennes et cite même des témoins oculaires. Oui, des témoins oculaires. Et qui peut, qui peut faire mieux? Même en Corée du Nord, oui, même en Corée du Nord, les dirigeants staliniens n'ont pas imaginé un tel scénario aussi pittoresque. Il paraît des témoins à Tizi Ouzou et à Bijaya ont affirmé avoir vu déclencher dans la nuit, à partir de rien, des incendies spectaculaires. On pense rêver ici au cauchemar des plus tôt, comme si un laser avait frappé la broussaille ou des, bous des bousquets. Comme si on a tiré des flammes rapides sur une cible, souligne un vieux journaliste qui réside non loin d'un foyer. Pour les observateurs, si cette hypothèse d'une agression sur ces forêts à partir d'un drone bien équipé est prouvée, l'affaire prendrait une tout autre dimension et confirmerait une fois de plus non seulement la complicité d'une organisation terroriste intérieure, mais aussi la malveillance de pays étrangers, explique ainsi le jeune indépendant qui entre ainsi dans les annales de l'histoire de la manipulation absurde. Naturellement, pour mettre en exergue encore davantage le ridicule, ce média algérien associe l'attaque israélienne contre les forêts algériennes, oui, au Maroc, voisin, ce diable, odie, invoqué dans tous les mots de l'Algérie. Dès qu'il y a un problème. C'est le voisin de l'Est. Ah oui, c'est l'armée du Murzen. A fait appel à ses alliés sionistes dans sa guerre contre les Sahraouis. Et l'usage des drones israéliens a été dense ces derniers mois depuis la violation du couvre-feu, cette violation du couvre-feu en novembre 2020. Dernier exemple le chef de la gendarmerie sahraoui, un certain dahbendir, a été ciblé par un drone israélien et il a été éliminé par un drone harfang, une version francisée par airbus defense and space du drone israélien eron. ce raccourci simpliste, vite fait et déconnecté des faits justement, des feux de forêt témoignent de la logique bancale de la propagande médiatique du pouvoir algérien. Contester, dénoncer pour ses incuries, son incompétence, le pouvoir algérien invente chaque jour une histoire à dormir debout pour justifier l'injustifiable. Tout simplement, son incapacité à gérer le pays à protéger les Algériens et les Algériens contre les périls majeurs qui les menacent au quotidien. Mais apparemment, en ce qui concerne les feux en Kabylie, justement, après les pyromanes pro-Maroc, le régime des caporaux, de ces vieux caporaux, avance encore et toujours la piste de ces drones israéliens. Quand ce n'est pas une version, c'en est une autre finalement. Et par conséquent, en cette Algérie, la piste des présumés pyromanes à l'origine des incendies de forêt en Kabylie bat visiblement de l'aile. Pourtant, le jeudi 12 août dernier, dans une allocution télévisée, ce pseudo absent président athée au nom imprononçable, a annoncé l'arrestation de douze suspects, dont certains seraient des membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce fameux MAC, considéré, écoutez bien, comme proche du Maroc. Désormais, sans savoir où donner de la tête, le pouvoir algérien avance une origine plus technologique. Ce n'est plus 22 suspects, mais c'est de la technologie, la technologie des drones ennemis de fabrication israélienne. Et dans un long article cousu de fil blanc, tel qu'il vous a été décrit déjà précédemment, donc euh, dans cette même séquence, le quotidien Le Jeune Indépendant a repris les thèses d'un complot maroco-israélien contre l'Algérie avancée par les officiels algériens. La même publication reconnaît que les informations techniques sur cette machine sont rares, très rares. On ne sait pas exactement s'il s'agit d'une simple plateforme téléguidée aérienne ou si elle est dotée de réelles capacités à effectuer des actions de manière automatisée. Et le jeune indépendant, donc ce quotidien pro-régime d'El Moradia, affirme encore que les Israéliens ont largement expérimenté ces drones au sud-Liban, oui, au sud-Liban, dans la bande de Gaza, mais aussi dans la guerre actuelle qui se déroule en Syrie. Et pour les observateurs, si cette hypothèse d'une agression sur les forêts algériennes à partir d'un drone bien équipé et prouvé, l'affaire prendrait donc une toute autre dimension et confirmerait une fois de plus non seulement la complicité d'une organisation terroriste intérieure, faisant allusion bien évidemment au MAC, à ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, mais aussi la malveillance. La malveillance de pays étrangers, et suivez euh, mon regard. Et de préciser que la collusion maroco-israélienne est présente dans leurs esprits avec l'affaire d'espionnage. Vous vous rappelez cette affaire d'espionnage qu'on appelle Pegasus, oui. Et l'accord de coopération et d'encadrement militaire entre les deux entités. Et leur normalisation. Il s'agit là du Maroc et d'Israël, ce que pensent ces vieux caporaux. Et d'un tout autre côté, pour ne pas changer de registre justement, restons-y, si vous le voulez bien, avec cette paranoïa continuelle de ces vieux caporaux algériens. En effet, le directeur général de la police euh, judiciaire a indiqué dans une euh, conférence de presse animée euh, ce dimanche dernier à Alger qu'un des suspects impliqués dans l'assassinat du jeune Jamel ben Smaïl a été interpellé alors qu'il tentait de fuir vers le Maroc. Oui, vous avez entendu, il tentait de fuir vers le Maroc. Et l'officier de la Direction générale de la sécurité nationale, cette fameuse DGSN, n'a pas donné plus de détails sur cette arrestation et n'a pas précisé si euh, l'individu arrêté était un ressortissant algérien ou, ou un agent marocain. L'enquête suit son cours, a-t-il poursuivi, en ajoutant que l'opinion publique... Sera tenu euh, informé dès que de nouveaux éléments d'information seront disponibles. Mais la DGSN a projeté les vidéos des aveux de suspects qui ont expliqué comment se sont déroulés les tragiques événements qui ont coûté la vie aux jeunes artistes de Miliana, dont la mort atroce a choqué euh, tous les Algériens. Et le directeur de la police judiciaire a également fait état de l'existence de femmes parmi les individus arrêtés, dont celle qui appelait à passer la victime à l'arme blanche, tout en filmant la scène à l'aide de son téléphone portable et en la diffusant, diffusant sur les réseaux sociaux. Et il a par ailleurs fait savoir que la police ne pouvait pas procéder à des tirs de sommation au moment des faits, car une foule euh, nombreuse euh, encerclait euh, le siège de la sûreté urbaine et que celle-ci était euh, dans un état hystérique. Des coups de feu, même tirés en l'air, auraient provoqué une catastrophe, euh, a-t-il dit. Il n'aura pas fallu longtemps pour... Euh, Qu'aussi bien les habitants de la paisible agglomération de l'Arba ville natale de Abban Ramdan, un des pères de la guerre de libération nationale, et les citoyens de Miliana, siège du site historique de cet amir Abdelkader, comprennent que derrière l'assassinat de Jamal bin Ismail, se cachait un complot, oui, se cachait un complot, ourdi. Par des officines secrètes, dans le but de casser l'élan de solidarité dont ont fait montre les Algériens des quatre coins du pays avec les sinistrés de Tizi Ouzou, d'un côté, et ces derniers avec l'armée et les différents corps constitués qui se sont sacrifiés pour sauver des vies euh, au péril de leur euh, vie. 25 d'entre eux tout de même ont péri dans les incendies et plusieurs autres ont été gravement blessés et sont hospitalisés. La tentative de fuite vers le Maroc, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle, tentative de fuite vers le Maroc, d'un des auteurs du crime confirme ses besoins et que les services secrets marocains et des vraisemblable, vraisemblablement du Mossad euh, israélien sont les instigateurs euh, d'une bonne partie des incendies qui font rage euh, actuellement dans plusieurs wilayas du pays et du meurtre du jeune euh, Jamel euh, euh, Ben-Smaïl. On ne sait pas pour l'heure euh, si d'autres complices ont pu traverser la frontière terrestre avec le Maroc ou s'ils ont quitté le pays par d'autres voies. Sources, des sources internationales qui seraient lancées éminemment à l'encontre du chef de file du mouvement autonomiste MAC, mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce Farhat Menni, dont le bras droit se trouvait à Rabat au moment des faits, en même temps que le ministre israélien des Affaires étrangères. Et quant à l'ancien ministre algérien Nourdin Boukrou, il n'est pas non plus euh, sans reste, puisque sous sa plume, il affirme, sous la forme interrogative, que le supplice de ce pauvre Jamel Ben Ismail est un crime d'État, tout simplement. Comme dans le cas de l'assassinat de Boudiaf, Nourdine Boukro affirme qu'il a toujours pensé que c'était à cause du Sahara marocain à laquelle il ne croyait pas et ne s'en cachait pas non plus. Ceux qui sont allés le chercher au Maroc, donc il parle de Mohamed Boudiaf, où il vivait paisiblement depuis un, un quart de siècle pour présider le Haut Comité d'État n'avait pas pensé à cet aspect. Il en est ainsi de nos dirigeants, donc de leurs dirigeants. Depuis, Michel, Hajj, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ceux d'aujourd'hui ont tout bonnement perdu la vue. Cette instance a été créée en janvier 1992. Pour supplier à la vacance de la présidence de la République à la suite de la démission forcée de ce Chedli Benjdit, parce qu'il refusait d'annuler les élections législatives dont le premier tour avait été remporté par le fils, le Front islamiste du Salut, et la décision de le liquider a dû être prise en mars 1992 après son voyage à caractère privé au Maroc où il avait une rencontre semi-officielle avec le roi Hassan II. Et depuis plusieurs jours, l'Algérie est secouée par un crime atroce filmé sous tous les angles et en... où l'on voit une foule insultée, battre, piétiner, immoler, puis décapiter un jeune artiste engagé venu en cabillaud aider ses compatriotes tout simplement à lutter contre les violents incendies qu'il a ravagés. L'inexplicable et l'inadmissible dans l'affaire, c'est que les faits se sont déroulés à quelques mètres de l'entrée du commissariat de police sous les yeux indifférents de plusieurs policiers et avec l'assentiment des plus hauts responsables nationaux de la DGSN qui auraient ordonné ce retrait, soi-disant, pour ne pas causer de plus importantes plus importante pertes. Ce qui veut dire que celle de Jamel Ben Smail était concédée avant d'être actée. Bouleversé par ce drame. L'opinion publique attendait avec impatience que l'autorité judiciaire apporte des réponses aux nombreuses questions inspirées par ces images hallucinantes rappelant des scènes du Cucuccelan dans l'Amérique du XIXe siècle ou les rites sacrificiels que pratiquaient les Mayas il y a plus de mille ans. Le supplice auquel a été soumis ce jeune Jamel Ben les a dépassés en horreur, au point de regretter que mort pour mort, il n'y ait pas bénéficié d'un sort plus clément, comme la crucifixion du Christ, par exemple, qui a entraîné l'apparition d'une nouvelle religion, ou plus civilisé, comme l'étouffement de ce George Floyd. Immortalisé par une formule Black Lives Matter, dont on a fait une sorte d'addendum à la charte universelle des droits de l'homme. On voit, or, oh, voici euh, qu'hier, euh, 15 août, c'est le directeur de la police judiciaire qui fait une déclaration publique sur les circonstances dans lesquelles a été assassiné le jeune artiste. Ses propos et son raisonnement ont laissé sur sa fin l'opinion publique qui a vu sa curiosité légitime se transformer en certitude qu'il y a du louche, que c'est une bavure, oui, une bavure, une mauvaise évaluation des choses ou même un crime d'État, clairement. La version du directeur contredisait le communiqué délivré par le parquet quelques jours plus tôt, et valait reconnaissance de la responsabilité de la police dans ce meurtre du commissariat de la Daïra, c'est-à-dire la sous-préfecture sous au commandement supérieur évoqué par le directeur. Les explications qu'il a fournies pour justifier l'inaction de la police, qui a assisté du début à la fin au lynchage, sans esquiver le moindre geste dans ce flagrant délit, sont irrecevables. Deux ou trois rafales tirées en l'air auraient suffi pour mettre fin à l'expédition meurtrière et disperser la foule composée non pas de têtes brûlées, des cocktails Molotov ou des armes blanches à la main, mais d'adultes à l'aspect ordinaire, sérieux et responsable. Même les individus arrêtés et à qui la parole a été donnée dans la foulée. De la déclaration du directeur n'avait pas l'air de malfaiteur à la mine patibulaire, ni des cervelés prêts à en découdre, mais de personnages du commun comme euh, vous et moi. Les dizaines de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une foule énervée mais pacifique, parlementant avec les policiers civils sans animosité. Et qui se serait dispersé sur de simples injonctions verbales dans sa direction. Il y avait du brouhaha, mais pas une tension explosive et une foule en transe. En voyant le jeune supplicié coincé dans la cage du véhicule de police, torse nu, le dos plein d'ecchymoses, et s'échinant à expliquer. À ceux qui l'insultaient et le battaient, qu'il était accusé à tort. Il n'était pas en proie à la peur ou à la panique comme il aurait été n'importe qui d'autre à sa place. S'il avait été coupable, son attitude aurait été autre. Il se serait effondré en larmes et sollicité le pardon. Lui était plutôt étonné de ce qu'on lui reprochait et faisait face aux molosses avec un calme et une ingénuité comme s'il était incertain que le quiproquo allait cesser selon toute vraisemblance la police a livré oui la police a livré jamal Besmaël à une foule persuadée qu'elle était autorisée à assouvir ses envies meurtrières le droit la loi le sens moral faisaient obligation aux forces de l'ordre présentes sur les lieux, d'empêcher ce crime par tous les moyens, au péril de leur vie, en tirant à balles réelles sur quiconque se serait opposé à elles dans l'exercice de leurs euh, fonctions, et même, et même si l'opération devait se solder par des victimes. Tout, n'importe quoi, mais pas ce qu'on a vu sur les vidéos. En fait, un groupe de trois ou quatre policiers armés de calaches et affichant leur résolution à, le, à faire usage de leurs armes au besoin aurait suffi pour dissuader et tenir en respect une foule qui visiblement ne manifestait aucune hostilité envers eux en attendant l'arrivée de renforts de police ou de gendarmerie, à supposer que cela fût nécessaire. La police, a, du sommet à la base, laissé commettre, oui, a laissé commettre sous ses yeux, et ceux du monde, un, un lynchage barbare. En adoptant cette attitude, elle a délibérément suspendu sa raison d'être en tant qu'institution chargée de la protection de la vie humaine et de l'ordre public, et par conséquent, à l'existence de l'État pendant toute la durée du crime. Elle a ainsi forfait à sa vocation, à sa mission, à sa raison d'être, car d'autres options qu'elle connaît mieux que nous, simples spectateurs, s'offraient à elle. Elle a choisi de sacrifier un jeune homme de 34 ans venu faire du bien, de trahir son serment de défendre en toutes circonstances la loi l'ordre et la sécurité des biens et des personnes, et de rendre l'État complice d'un crime d'État sans raison d'État, sauf à croire à la théorie défendue par certains selon laquelle il s'agirait d'une opération destinée à faire d'une pierre deux coups se débarrasser d'un hierarchiste, ce Jamal Ben Smail, et imputer le crime, au qui imputer ce crime de... Jamal ben à ce MAC, à ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Faut-il qu'on ait plus peur pour l'avenir, mais pour les médias, le présent, le lendemain, le court terme Il n'y a donc plus de limite à la déchéance et l'incompétence de l'État algérien. Et faut-il donc applaudir à ces folies et se résigner en supplice de tantal vers lequel il pousse la nation. Et les chers amis, c'est sur ce genre de questions d'interrogation que se termine notre séquence d'aujourd'hui. En prenant congé de vous, néanmoins, nous, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir au travers de votre ce qui fait débat. C'est-à-dire ce qui fait discussion tout simplement à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation à nous écouter jusqu'au bout et au bout des. Ne nous oubliez pas de nous aider, mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement et, et réciproquement en vous est abonnant très nombreux afin d'être informé rapidement et surtout en partageant au maximum autour de vous les séquences de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis, l'azdéka, salamu alaykum wa rahmatoullahi ta'ala wa à la prochaine fois et à bientôt, le